Alors bonjour tout le monde, ici Multitouching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le test et la démonstration de iTunes 10. Donc le premier détail qu'on peut distinguer sur iTunes 10, c'est le nouvel icône de iTunes avec un rond bleu dans lequel il y a une croche noire. Ça c'est un petit détail. Donc on ouvre iTunes. Oups. On ouvre iTunes et là on arrive sur une nouvelle interface. Mais je vais plutôt faire le test de la plus grande nouveauté de cette version iTunes 10.0. C'est bien sûr le nouveau réseau social inclus qui s'appelle Ping. Donc au passage, je vous rappelle que Ping est aussi disponible sur l'application iTunes sur l'iPod Touch. Hein, il est également disponible. Donc moi, je vais vous faire la démonstration de Ping. Donc, Ping, c'est un réseau social qui est un peu comme iTunes ou Twitter, qui est un peu la fusion de iTunes, de Twitter et Facebook, excusez-moi. Donc là, on arrive sur notre menu de gauche et on voit iTunes Store et Ping. Donc on va sur Ping, excusez-moi. On clique sur Ping. Et là, on arrive sur ma page. Alors, on voit les artistes que l'on peut suivre. Alors déjà, je vais vous montrer comment on peut voir son profil. Donc voilà mon profil, donc multitouching. On peut voir ses photos, le type de musique qu'on veut. On peut en choisir 3 au maximum, pop, rock, électronique. Là on habite, moi j'habite Paris, France. À propos de moi, je fais des vidéos pour aider les personnes qui ont un iPod Touch ou un iPhone. Et quelques autres vidéos. Alors, ensuite, il y a les activités récentes. Donc, je viens de m'inscrire et je suis Lady Gaga. Ensuite, on va aller sur activités récentes, par exemple. Donc, on peut modifier son profil. Mes avis, c'est pour tester les applications. Voilà, on arrive sur ma page principale. Là, je peux choisir. Là, je peux suivre tous les artistes que je veux. Donc, ils mettent ces artistes-là parce que c'est les artistes desquels j'ai le plus de musique sur ma bibliothèque iTunes. Donc là, on peut voir que, on constate que c'est un genre de Facebook. Hein, donc là, étant donné que je suis abonné qu'à Lady Gaga, il n'y aura que Lady Gaga. Donc voilà, on peut rédiger des commentaires et on peut chercher des personnes. Donc par exemple, on peut chercher... moi, hein, tout simplement, multitouching avec un espace entre les deux. Voilà. Et on voit multitouching et mon profil. On peut choisir autre chose. On peut aussi essayer Pod2G. Pod2G, le célèbre créateur qui fait partie de la Dev Team. Essayons attacher. Essayons attacher. Pas de 2G. Ah, toujours pas. Je vais pas faire tous les membres de la Dev Team. On peut aussi choisir des articles. Des artistes, excusez-moi. Par exemple, Rihanna. Ou non, David Guetta. David Guetta. David Guetta, on suit. Et là, on peut voir David Guetta, sa photo. On peut voir le nombre d'abonnés. On peut le suivre. Et on peut voir donc la personne David Official. Et là, un artiste. Donc voilà, on peut suivre. C'était la principale, le principal détail de iTunes 10. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à mon canal de YouTube, suivez-moi sur Twitter et sur iTunes 10 pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos.
Donc salut et à une prochaine fois.